Je vous parle. La dame dont le visage n'est que cicatrice est persuadée que vous et moi, nous cherchons la même chose. Venez me montrer l'antiquité que vous avez trouvée. Quelqu'un veut m'agresser? Ok, ben pourquoi vous m'agressez? Je vous ai rien fait! J'étais même pas là! Mon bouclier a pris ultra cher. C'est quoi ce bordel? Ok, ça c'est un kamikaze. Il m'avait envoyé une grenade dessus, très bien. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Borderlands. Premier du nom en version GOTY, comme d'habitude, hein, vous le savez. J'imagine, à force. Où es-tu? Ici. Ok, qu'est-ce que tu veux? Très bien. Et donc, on va continuer la quête principale, hein, sur la nouvelle version, comme vous connaissez. Comme j'en ai déjà parlé, enfin la quête principale et toutes les quêtes qu'il y a dans la prochaine région, surtout. Hein. Alors, on va déjà commencer par voir si on n'a pas de meilleur mode, de meilleur bouclier. J'ai hâte de tester un petit peu ce fameux bouclier que nous avons. Ok, très bien, apparemment non. Pourquoi pas, c'est du caca. Hop, 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 hop. Et on est bon. Ah, j'ai oublié de vendre les boucliers en trop. Sachant que celui-là est verrouillé normal, parce que l'autre qui est équipé est en phase d'essai. Ok, pour l'instant, j'ai ce qu'il y a de mieux. On va aller voir le reste. Hop. C'est parti. On va vérifier les quêtes qu'on a. D'accord, c'est à droite. À droite. Au fond à gauche. À droite aussi. Et elle, elle est là-bas. L'oreille en coin, c'est à devant nous. On va commencer par l'oreille en coin qui est la plus proche. Oui! Oula. Ça a dû faire mal. Hop les. Ah, forcément. Je fais en sorte de vivre. Ah. What the fuck? What? Très chelou. Bon, j'arrive pas à faire quoi que ce soit à cette distance. Non mais sérieusement. Qu'est-ce que c'est qui fait ce bruit là? On a l'impression que quelqu'un tire des balles explosives ou des grenades explosives peut-être. C'est pas vraiment que j'ai peur, c'est que vous êtes nombreux quoi. Moi aussi. J'ai déjà plus de bouclier quoi. La vitesse à laquelle mon bouclier se fait dépop est limite insultante. Dégage. Ils sont au-dessus. Réaction, Marcus, réaction. Par où est-ce qu'on monte? Par là-bas, c'est trop tard. D'accord, donc c'est bel et bien des grenades. Là-bas, il y a un gros truc. Arena. Nice. Pourquoi tu tires? Sur moi. Autant pour moi. Oh, oh. Voilà. Merci beaucoup. Quel truc. Crac. Juste regardez quand même, on voit un message très chelou sur Discord. Ok, c'est même très très glauque. Mais bon, c'est pas grave. Vraiment des gens qui sont un peu malades hein, sur la tête. Ok. Oh.
Il faut que je tiroille, n'est-ce pas? C'est pas la meilleure arme. Non plus. Ah, la cadence de tir est épique, hein. Si j'essaie avec autre chose, peut-être ça. Allez! Ok, c'est débouché. Première chose, bien faite. La facture. Allons chercher la facture de Marcus. De moi, en soi. Hop là. Faudrait que je vous montre un petit peu mon claptrap, tout ça. Tout mon bordel. Toujours pas de masque, d'ailleurs. Hein. Bon, je vais y réfléchir. Je vais peut-être y réfléchir à me le payer, ce fameux masque de... Alors, ça vient pas par... Je vois ton ombre. C'est un brutal en plus, hein. Ah. Je sais même pas comment je suis censé... Ah, je suis passé au canon, très bien, on va essayer comme ça. Ok, je sais pas où il est. Ah, je peux pas lever plus haut. Allez. Oui. Raté. C'est la DCA un petit peu. Hein. Allez. Non mais genre... Tu comptes venir un moment ou pas? Du bol. Allez. Ça y est, on l'a eu. Ouh. Non, sans difficulté. On va prendre la voiture quand même pour aller voir ce qu'il a looté. Mais bon, eh ben... Que dalle, très bien. Écoute, comme ça c'est fait. Ah bah forcément. Forcément. Je l'ai raté. Je l'ai pas raté. Ok, j'en ai eu. Ouais, enfin bon, pas tant que ça, hein. Pas suffisamment pour mériter de rigoler en même temps, quoi. Ah, c'est nul que ce soit pas du hitscan. Ça va me faire tout drôle, hein, cela dit. Hein. Critique. Apparemment, il y a encore un paquet de monde, hein. En fait, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il soit plus précis que moi. L'histoire. Putain, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Ok. Assassiné, tué. Ça aussi, ça me saoule d'ailleurs. Ça va être chiant. Et d'où je rate ça? Et pourquoi? Ah bah voilà. Ça fait mal, ça. Ok. De là, ça passe. Mais non, j'ai pas mérité une grenade. Ok, la première, on l'a eu.
C'est pas si simple, hein. Je suis surpris. Pourquoi j'ai gagné de l'XP? Pardon. Bonjour. C'est ça qu'il appelle la régénération. Non, c'est ma grenade qui est revenue. C'est pas grave. Hop là. En plus, ça me harcèle. Très bien. On s'en sort. Piou. Petit à petit, le Marcus fait son nid. Il était là. Ils étaient là, pardon. Ouh, c'est réglé. Eh ben, attendez pas à ça. Tout ça pour une facture. C'est vrai que sur le papier, c'est intéressant quand même. Ok. Très bien. Et on en a quand même vachement chier. On sent que... j'arrive à bout, au bout de mon bouclier, quoi. C'est quoi? Et l'avant. D'accord. Trop de choses à faire dans le coin, j'imagine. Ah, et ça va être de la recherche à tous les coups. Parce que l'effet genre, il me l'indique, mais en fait, il me l'indique pas. Ok. Et l'arrière. Très bien. Ici aussi. Très bien. Moteur rouillé. Pourquoi pas? Dans le frigo, il y aura sans doute pas de moteur. Ah ah! Réservoir de carburant, il reste plus que deux pièces à trouver. Il y en a une ici, d'ailleurs. Ok. Torg. Artificier. Bien. Ah, moi j'en aurais mis une là, moi. Justement. J'aurais été un connard et j'en aurais mis une ici, moi. Eh ouais. Eh ouais. Alors. Où est cette dernière pièce? Sous mon nez, sans doute. J'en vous la... Genre, vous l'avez tous vu, quoi. Enfin bon, c'est pas grave. Viseur. Journal caché, c'est par où? C'est au nord. Submachine gun. C'est au sud. Parfait. Allons-y. Plus, il y a un panneau de quête juste à gauche, là. Parfait. Absolument parfait. Non, c'était pas un panneau de quête, c'est autre chose. Autoloc! Il n'y a pas notre quête ici, non? Ah non, un TP. C'est là qu'elles vivent, les bagnoles! Prends-toi c'est dans là qu'elles vivent, les bagnoles. Non, il n'y a pas un panneau de quête, c'est marrant qu'il m'indique pas le. Bon, très bien. Très bien, très bien, moi ça me dérange absolument pas. Ça, c'est un point de TP. On est d'accord. Arrange la bagnole. Allez en route. C'est parti. 200 mètres à faire, mais bon. Mon hymen. Hymen Badi. Non, pardon, c'était très très nul. Alors j'ai pas le frein pour faire le dérapage, hein, je suis désolé. Cherche à te faire buter ou quoi? Non, du tout.
Hop les. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Pardon? Bon, tu sais quoi, je m'en bats les couilles. Hop les, ça c'est fait. Le saint pinceau de l'indifférence. Il y a d'avoir du monde, c'est cool. Salut! C'est moi! Boum boum! Suivant! 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 Bah merde! Voilà! Ça aussi c'est fait. Ah, il y en avait un deuxième! Oh! Oh! Et le respect dans tout ça! Hein? Franchement! Bon, l'avantage c'est que d'ici on va avoir à peu près toutes les munitions. Et merde, raté. Bon, je suis sûr que c'est comme ça qu'il fallait faire. Hein. Non, c'est pas comme ça non plus. Ah ah, c'est ici. Oui. Non. Ah. Oh oh. Et c'est bon, tout va bien. Oui. Ah ah. Canon de SMG. Très bien. La suite. On voit au moins un, deux. Sans compter toutes les armes que j'ai fait pop. Mode de grenade et autres. Ah ah. Parfait. Moi. Parfaitement parfait. Faut admettre sa perfection. Hein. Hop là. Ok. Et là après il y aura un autre niveau. Cool. Le tout, ça va être de réussir à avoir celui-là. Et merde. Donc c'est pas par ici qu'il faut que je passe, c'est par le petit truc blanc qui est à côté. Très bien. Encore du travail. Oui, monseigneur. Ok, bon. Allons-y. On visualise le truc blanc. Bien. Ce que je disais. Hop les. Ah ah. On va aller voir ce que le vendeur d'arène a à nous vendre. Alors même s'il a une quête à nous proposer peut-être. Ah. Ah ah ah. Il me propose bien plus. Bonjour. Non, t'as rien à me dire. Très bien, bon bah pas de problème, je vais revenir quand hein. Quand t'auras quelque chose à me faire faire. Salaud. Pourriture de communiste. Eh bien, le journal caché. Le fameux journal caché. 1, 2, 3, 4, 5 pages de journal à récupérer. Ouais, trop content. On va devoir faire de la balade. Ouais, même 1 km à pied. Ça, et merde, il y a un nouveau stock. Ça use. 1 km à pied. Ça use les souliers, mais ça n'use pas la langue du Marcus, mais ça n'use pas la langue du youtubeur. Je me fais insulter. Tu viens m'avoir, hein. T'es sérieux? J'ai connu des snipers qui étaient moins précis, quoi. J'ai voulu m'arrêter pour la shooter, c'est ma faute en même temps. C'est entièrement ma faute. Bon bah, au moins. Bah, le mien est mieux. Ok, très bien. Je me suis fait U. Ça n'arrivera pas une seconde fois. Je l'ai pas chopé. C'est pas grave. J'ai fait trop de demi-tours pour ces quelques dollars. Bon, cette fois-ci, on ne s'arrête pas. On bourre. On y va. Il y a d'autres vendeurs ici, j'avais pas fait gaffe. D'accord, ici.
On y va. C'est parti. On recommence, hein. Ça n'a pas usé ma langue, mais ça a usé ma vie. Putain, les dégâts qu'il fait, c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Désolé. Il y avait un hyménoptère. Désolé. Encore un hyménoptère. Oula. Sympa dans le coin, hein. C'est pas glauque du tout ni rien. Il y a plein de gens en plus. Non, je les ai pas eu, dommage. Je pensais que ça suffirait à les avoir. Les... Attends, ah merde, je l'ai esquivé. Faut admettre que c'était une esquive, hein. Plus qu'un coup volontaire. Ah, yeux. Très bien. Bon, allons-y. Bonjour. Qu'est-ce que... Ok, un boss. Un boss qui pop de nulle part. Voilà, ça t'apprendra. Continue à brûler, c'est cool. Casse-toi, tu pues. Ils sont balèzes en plus dans le coin. Hein. Bon, tu sais quoi? On va résoudre le problème des hyménoptères. C'est bon? C'est résolu? Et ensuite, faut qu'on passe à lui tout de suite. Hein. Ok. Aïe. Ça s'est joué à rien, hein. Soyons honnêtes en deux secondes. En fait, ça s'est même joué à ça, en fait. Tout bêtement. Et les chances que j'ai de le buter comme ça sont très très minces. Ah, je l'ai pas eu. Ah. Ça s'est joué à une balle, à une demi-seconde. Oh putain, je vais refaire 40 km. Fils de pute. Pardon, hein, mais... Ah, c'est ça le problème du build du corps à corps, hein. C'est que je vais pas y arriver à distance, hein. Putain. Pétain de bretzel de merle. Hey, sois pas timide. Hey, et comme j'ai pas trouvé encore une arme mieux que celle que j'ai là... Oh là là. Ah, je suis dég. Je suis bien dégoûté, les amis. Dégage. J'avais deux grenades en plus, j'aurais dû les balancer. Hein. Même, j'avais peut-être même mon ult. Hein. Ça, le plus débile. Ah, c'est pas par là. Cassez-vous de mon chemin, bande de nazes.
Cassez-vous! Fais chier. Il va être là avec tous ses points de vie. Non, c'est bon. Putain. Ouais, génial, je prends déjà des dégâts. J'ai pas une infinité de balles, loin de là. Je vais rester à l'intérieur du truc. Je voulais justement éviter ça. Il m'attend ou quoi? Il m'attend, regardez ça! C'est un enfoiré! Voilà, je brûle. Il est encore là à m'attendre. Ok. Faudrait une arme qui fasse des dégâts. J'ai rien. Cool. Eh bien. Raté. Non, je brûle quand même. Très bien. Je continue à brûler. C'est cool. Il m'attend, hein. Il m'attend, il est tout content de m'attendre en plus, hein. On va attendre que le bouclier recharge. Lui, il en a pas. Ah non, me fais pas ce coup, là. Je ne le vois plus. Connard. Il joue à cache-cache, en plus. Qu'il est mignon. Ah, ça te la coupe, ça, hein. On l'entend pas vraiment. Tiens. Saleté. Ouais, si tu veux, un pangolin. Un pangolin. Bon. Patricia Tanis, scientifique en chef, Société DAL, 224e jour. Mes conversations se résument à discuter avec cet enregistreur écho. J'ai noué une vraie relation avec lui. Pendant certains cycles, il dort avec moi, mais pendant d'autres, je le laisse à la porte de ma tente. Mon incapacité croissante à discerner la logique de la folie devient préoccupante. J'ai réussi à traduire des écrits éridiens entre deux disputes avec l'enregistreur. Il m'a délaissé quelques heures pendant le dernier cycle. Je t'ai entendu sortir de la tente. Si je voulais faire l'intéressante, je dirais que les écrits éridiens témoignent d'une société de classe dotée d'une forme de gouvernement. Et elle est vraiment en train de perdre la boule, en fait, hein, mais bon. Bon, c'est pas grave, j'arrive pas à les buter non plus avec le véhicule. Niveau supérieur, il m'a donné quoi? Non, incendiaire. T'aurais pas dû venir ici, tu vas le payer très cher. Deux secondes. Ah, merci, au revoir. Ah, je déteste quand ils disent ça. Décède. Bon. On a encore gagné un point. Ok, cool. Assurance vie, ce serait intéressant de l'avoir maintenant. Augmenter notre bouclier, parce qu'il est vraiment ridicule notre bouclier, et vu qu'on a déjà un bouclier qui permet d'augmenter la santé, je vois pas l'intérêt de d'augmenter déjà la santé, vu que c'est vraiment le bouclier qui est intéressant pour le moment, parce que c'est le seul truc qui se régène gratuitement, vous voyez ce que je veux dire? Ok. C'est mon truc. Très bien. Pas tout à fait ce que j'avais prévu, mais bon. C'est où?
D'accord. Hop là, raté. Hop là, c'est bon. Ici. 321e jour. Pendant que je travaille, je passe le plus clair de mes journées à avoir des conversations avec des gens qui ne sont pas là. Il y a deux jours, je me suis surprise à expliquer à ma mère en quoi le programme de traduction que je créais allait m'aider à déchiffrer précisément ce texte éridien. Ma mère est morte il y a 16 ans, et la science ne l'avait jamais intéressée. Je ne sais pas si j'approche du point de non-retour, mais cet entêtement que je tiens d'elle me forcera à continuer de m'adresser à elle tant que je n'aurai pas trouvé l'emplacement exact de l'arche. Ou que je ne serai pas devenue assez folle pour oublier ce que je suis venue faire ici. Je les vois pas, les Rax. C'est cool. Venez-vous la mettre ? Je vais détruire. Allez, viens, viens, viens. Ah, je me suis aspergé de leur sang. Oula. 457e jour. Comme c'est excitant, j'ai envie de me déshabiller et de me mettre à courir nu autour du site pour fêter ça. Mais je ferais mieux d'attendre le crépuscule pour éviter les voyeurs. Avant de faire succomber 4 de mes ordinateurs, dommage, mon programme a pu déchiffrer un gros morceau qui m'était resté incompréhensible jusque-là. Je vais mettre plusieurs jours à remettre mes ordinateurs en état, mais j'ai pu identifier plusieurs itérations d'un événement qui se produisait tous les 200 ans. Il y est fait allusion de nombreuses fois, avec un symbole qui... Un instant, je regarde juste un truc sur la carte. Je vais aller voir la sulfate. Le contenant a été renversé. Il est possible que l'arche passe tous les 200 ans. Ce soir, pour dîner... Je crois que je vais manger des œufs. C'est bon les œufs. Je vois pas où est le problème. Je sais que tu es là, toi. Je sais aussi qu'apparemment il n'y a aucune manière de t'affronter qui est correcte. Du coup, je vais aller te voir. Je vais aller te faire ta fête. Tu peux pas ? Voilà. J'ai vérifié 3 fois les calculs et tout devient limpide. Des mesures exceptionnelles ont été prises pour garantir l'inviolabilité de l'arche, mais elles vont être ouvertes tous les 200 ans. Sans compter que l'avoir est immense, peut-être plus grande que celle de la technologie d'Atlas. Mais je ne peux révéler cette information à quiconque pour le moment. C'est bête, hein. Ah! Fuck it! Voilà. Une bonne chose de faite. Donc elle aussi veut trouver l'arche. Et on repart dans l'autre sens. Bah! J'avais pas vu qu'il y avait un monsieur ici. Bonjour monsieur! C'est une caisse. Hein. C'est une caisse de quoi? Ah, bonjour! C'est ça la question, c'est une caisse de quoi? J'ai détruit une reine, je crois. Est-ce que ça va pas faire en sorte qu'ils apparaissent plus? En tout cas, ils passent très bien sous les roues de la voiture. Hein. Franchement, mais d'ailleurs, ils sont très nombreux dans le coin. Encore une reine, d'accord. Non, les élections, ça va vite. Hein. Je vais y aller avant qu'ils ne me rectent. Voilà, parce que je me doutais bien que ça allait continuer à réapparaître jusqu'à ce que je disparaisse moi-même. Qu'est-ce que tu veux? Oui! C'est parti! Oups. Dommage. Eh bien, il y en a deux. Pourquoi j'ai une autre cible derrière, devant moi ou derrière moi, je sais pas trop. Ouais, bref.
293e jour. La société DAL vient de suspendre toutes ses opérations sur Pandore. Ils doivent être devenus fous. Enfin, celui qui a pris la décision est forcément fou. L'extraction d'iridium sur cette planète ça semble important. Est extrêmement rentable pour DAL et a notamment financé mon projet de recherche. Mm-hmm. En plus, leur coût de main-d'œuvre était ridicule. Je me demande ce que DAL compte faire de tous ces condamnés qu'ils ont forcés à travailler dans les mines. Je pourrais peut-être rencontrer de nouveaux amis. Quoi ? T'es tellement jaloux que tu ne veux jamais que je me fasse des amis. Je te débranche. Débranche tout. Revenons à nous. Très bien, bon bah ça c'est fait. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas pour la simple et bonne raison que si c'est un New You, je pourrais me téléporter en fait. Un bloc d'air solide sans doute. Ni plus ni moins. Ok. C'est con qu'a laissé des barils d'explosifs d'acide un peu partout. New You! Non, non, pas du tout. Pas l'impression qu'il y ait point de TP là-dedans. Qu'il y a un point de TP là-dedans. Si, il y en a un. Aha! You're sweet or four. Enterarara. Non, on n'est pas les chansons. Ouais. Ah, il vend que du bleu, lui, sérieux? Mon baroudeur paie peut-être pas de mine. Mais il te conduira à destination. Envie avec un peu de chance. Avec un peu de chance. C'est parti. Retour à New Haven. New Haven. Quelle différence entre Haven et Haven? New Haven. Faudrait que je me renseigne. Tiens, Haven, ce que ça veut véritablement dire. Alors, mon cher Scooter, voici tes pièces. Mais je vais m'occuper de toi. Et voici les tuyaux qui sont bien débouchés maintenant, du coup. Par contre, tu me donnes vraiment des armes de merde, hein. Si je puis me permettre. Je vibre de partout. Ouh. C'est agréable. Très bien. Ok. Armement correction du marché. D'accord. J'ai beau avoir 4 niveaux de plus, j'en chie. Hein. J'en chie. Très bien, allons voir, vite fait. Ouais, vous voyez, la SMG est meilleure en dégâts que mon truc, quoi. Équiper ça. 12 balles dans le chargeur. C'est quoi? C'est une SNS Munitions. Glorious Massacre. Je vais voir si j'ai pas une SNS Munitions, mais j'en ai pas. Très bien. Mes armes seront un tantinet plus à jour. Ok, très bien. Très bien. Tanis retrouvé. Faut que j'y retourne, c'est ça? Ah! C'était déjà affiché comme quête? Peut-être, très bien. Eh bien écoutez, c'est ce qu'on fera dans le prochain épisode les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce, la commenter, la partager, vous abonner, moi je vous retrouve demain, je cause. Scooter, t'es là en même temps. Pour la suite des aventures de Brick dans Borderlands, on va essayer de s'équiper un peu mieux quand même. Quand t'auras besoin de moi. Hey, fais gaffe où tu mets les pieds.